On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo dédiée au cadeau de Noël que j'ai eu cette année. Donc c'est la première que je fais, étant donné que c'est la première année que je suis sur YouTube. Et c'est une vidéo que j'aime beaucoup regarder, ça donne des idées, voilà. Moi c'est vraiment une vidéo que j'aime beaucoup regarder en ce moment, donc je me suis dit que j'allais vous la proposer aujourd'hui. Alors on va commencer par un cadeau que je n'ai pas avec moi parce qu'il est dans ma voiture. C'est un cadeau donc de mon chéri qui m'a offert un GPS. Donc je vous mettrai une photo juste ici. Il est vraiment top, il est grand. Vraiment l'écran je le trouve vraiment grand. On n'est pas obligé de mettre l'adresse exacte pour trouver. Juste à mettre par exemple Auchan et ça va me suggérer des lieux proches de là où je suis. Et c'est quand même beaucoup plus facile d'accès. Il est aussi connecté avec mon téléphone portable. C'est un TomTom. Donc voilà, je vous mettrai les références en dessous si vous voulez. Et donc voilà pour le premier cadeau que j'ai reçu. Alors j'ai reçu aussi un cadeau de la part de la tante et la cousine de mon copain. Parce que j'ai passé Noël dans la famille de mon copain. Hein. Et donc j'ai eu des jolies tasses. Alors moi j'adore tout ce qui est tasses, tout ce qui est mug. En plus ça représente Paris. Je trouve que ça fait vraiment un peu comme Maison du Monde. C'est un peu cet esprit là. Donc moi forcément bah, j'adore, c'est un peu boudoir. Voilà. Donc c'est... les senteurs d'autrefois by Claudine et donc ça vient du Mans. Si vous les trouvez jolies, que vous êtes dans le coin, et ben je vous les conseille. Elles sont vraiment canon. Donc c'est deux tasses avec leur petite coupelle. Ensuite, j'ai été très surprise lorsque ma belle-mère et ma belle-sœur m'ont offert mon parfum. Je ne savais pas qu'elles connaissaient le nom de mon parfum. Je pense qu'Antoine a laissé fuiter quelques informations. Et donc, j'ai eu mon parfum. Donc, c'est le The Beat de chez Burberry. J'adore ce parfum. Malheureusement, apparemment, quand ma belle-mère a été l'acheter, ils lui ont dit qu'il allait être discontinué. Alors, je suis tristesse absolue. J'adore ce parfum depuis des années. C'est un parfum... Je vous mettrai ici les notes de ce parfum. C'est vraiment un parfum féminin, un parfum avec du caractère selon moi. Voilà, j'aime vraiment beaucoup cette fragrance et je suis vraiment très triste s'il le discontinue. Donc Burberry, si vous passez par là, ce qui m'étonnerait, ne le discontinue pas s'il vous plaît. Ensuite on a eu deux cadeaux communs avec Antoine de la part de ma belle maman. Elle nous a vraiment beaucoup gâtés. Donc j'ai eu... plein de poussière. On a eu en fait c'est un plateau pour mettre le pain sous cloche et pour pouvoir le couper. Donc il y a une petite planche en bois, c'est vraiment très joli. Et avec donc le couteau à pain. Donc moi en fait je suis vraiment ravie quand on m'offre ce genre de choses. Parce que je suis vraiment du genre à avoir des choses basiques, genre une assiette, des couverts et un verre. Mais il y a plein de choses que je n'ai pas et je suis vraiment contente. En plus là normalement, si tout va bien, on devrait bientôt déménager dans un appartement qui nous plaira davantage. Et donc j'ai vraiment envie de m'investir dans cet appartement et au niveau de la cuisine principalement, d'avoir vraiment un espace adapté. Parce que là bah, on a une cuisine qui n'est pas très petite. Mais très mal faite, tout est fait à l'envers et c'est vraiment gênant, fatigant, usant. Donc voilà, je suis vraiment contente de ces petites choses là. Moi quand on m'offre des choses pour la maison, la cuisine, en plus ma belle-mère connaît plutôt bien mes goûts, donc voilà, je suis ravie. Le deuxième cadeau commun qu'on a eu avec Antoine, c'est cette petite chose. Donc c'est le Calor Twinnie, c'est un fer à repasser et un... je sais plus comment on dit... un défroisseur, voilà. Donc je l'ai posé parce que ça commençait à me goûter dessus. Donc j'ai pris le fer avec moi. Donc pour vous montrer, c'est un fer qui est fait comme ceci. Donc il n'est pas très grand, mais vraiment pratique justement. Parce qu'on peut le tenir de cette manière. Il est vraiment maniable. La pointe est vraiment fine. Donc pour aller dans les recoins des chemises, c'est vraiment bien. Et donc l'avantage, c'est qu'on peut s'en servir comme fer à repasser lambda. Et également pour défroisser, bah nous c'est principalement les chemises d'Antoine pour aller travailler. Donc voilà, on est vraiment content de ce cadeau là. Et c'est le Calor Twinnie 2 en 1. Ah mais en fait j'ai trouvé la boîte du GPS, donc je peux vous présenter au moins la boîte. Donc voilà, il est comme ceci. De toute façon je vous aurais mis une photo avant, mais bon, j'ai retrouvé la boîte.
Donc voilà, c'est celui-là, c'est le TomTom Via 62. Et voilà, l'avantage de son grand écran me ravit. De la part de la famille du beau-père à mon copain, j'ai eu un petit kit The Body Shop. Donc dedans, il y a une fleur de douche, il y a un un body butter d'édition de Noël. Donc fruits rouges glacés, je pense, Frosted Berries, ouais, un truc comme ça. Et bon, moi j'adore en plus l'odeur des fruits rouges. Et avec un petit gel douche, donc voilà, je suis ravie, j'adore The Body Shop. J'aime beaucoup l'éthique de cette marque, les valeurs qu'ils prônent à travers la vente de leurs produits. Donc je suis vraiment ravie d'avoir reçu ces petits produits et en plus j'adore les senteurs fruits rouges. On a eu également des petits chocolats, il y avait aussi un paquet de chocobons, mais il y est passé. Pour la blague, mon copain m'a acheté un H. Moi j'adore tout ce qui est avec mon prénom, il a acheté ça à Cultura. Donc voilà, c'était pas un cadeau de Noël à proprement parler, on est passé à Cultura, il me l'a acheté. Mais bon, il est dans le sac des cadeaux de Noël, donc on va considérer ça comme un cadeau. J'aurais dû prendre le A moi, pour pouvoir en faire quelque chose. Je crois pas que j'ai un Cultura dans le coin, je sais pas. Si vous êtes alsacienne, dites-moi. Faudrait que j'achète le A et justement que j'en fasse quelque chose de personnalisé parce que c'est du carton. Donc je peux faire un loisir créatif, je vais essayer de voir ce que je peux en faire. Et pour finir, j'ai eu un ensemble donc écharpe plus bonnet. Voilà, moi j'adore, c'est gris, je sais pas. Alors c'est toujours la belle maman, la sœur du beau-père de mon copain, que je n'ai jamais vue en fait et qui est trop gentille parce qu'à chaque fois elle nous gâte à Noël. Et donc elle m'a offert un bonnet et une écharpe. Je voulais un bonnet avec un pompon et en plus elle a choisi la couleur grise, donc sans le savoir parce qu'elle ne connaît pas forcément mes goûts, à moins qu'on lui ait soufflé l'information. Mais voilà, je suis vraiment trop contente. Voilà. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné des idées de cadeaux. Moi je suis vraiment ravie de ce que j'ai reçu, j'espère que vous passerez un bon réveillon ce soir. Bon, vous verrez cette vidéo après parce que je vais pas rester à la montée, mais voilà, j'espère que vous aurez passé un bon réveillon du jour de l'an. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut.